17. Les nominés dans la catégorie spectacle vivant de l'année 2016-2017 sont... C'est un peu de la musique de Thalassa, ça. Ou faut pareil. Il manque les... Ah ouais, c'est pas pareil. Majestic Time de la compagnie MJD. La nuit, le chien et le couteau de la compagnie Moonsturm Théâtre. Ainsi que The Wounded Carnaval de la compagnie Luna Moka. Si on veut bien me ramener l'enveloppe, s'il vous plaît, merci Hugo. Vous remarquez que j'ai été plus sympa vraiment avec les hôtesses et les autres cette année. C'est vrai. Parce c'est que vrai. Je me suis pris trop de remarques. Non mais avec ce que Weinstein a fait là, on peut plus se permettre. Et comme il y a le hashtag MeToo, je me suis dit j'arrête. C'est pas la bonne période. Le lauréat de la catégorie spectacle vivant de l'année est... La nuit, le chien, le couteau de la compagnie Moonsturm Théâtre. Bravo. C'est une sorte d'Alice au pays des merveilles, mais d'horreur. Dans un conte fantastique et gore à la fois, on accueille Louis Arène pour en parler. Et on va lui remettre pour la compagnie Moonsturm. Félicitations. Ce Hopl Awards pour le spectacle vivant de l'année. Alors moi, j'ai quand même une question. Alice au Pays des Merveilles, chez vous, vous lui filez quoi comme substance illégale? du théâtre, de l'humour, beaucoup de travail, beaucoup d'amour du théâtre, de travail avec les comédiens et la technique. Voilà. C'est un petit peu un rite initiatique, hein, cette pièce « Tuer pour ne pas être tué ». Oui, c'est ça. Ça joue des codes de l'horreur, mais pour nous raconter un peu notre condition d'être humain. Et c'est une sorte de... Voilà, un personnage qui se confronte à la violence et à l'absurdité de la vie, mais qui, au lieu de sombrer, va découvrir le pouvoir de la révolte et du libre-arbitre. Donc voilà, la pièce est assez sombre, mais aussi très drôle, et puis elle a cette fin assez lumineuse. Voilà. Eh bien, en tous les cas, on en voit quelques extraits là sur l'écran. Bravo, en tous les cas. Vous avez la possibilité de prendre votre photo souvenir. Alors, moi, avec j'ai une dernière question. Est-ce que vous jouez prochainement en France ou à Navarre? Je reviens avec le micro. Bien sûr, on va jouer chez un des lauréats, enfin, c'est un projet ami de la compagnie, le premier jeune public d'un des comédiens de la compagnie. C'est pas vraiment un projet Moonsturm, mais c'est un projet qu'on soutient très fortement, qui va jouer à l'Espace 110 au festival BD Ciné, qui va ouvrir le festival, donc on est très très fiers. Et puis d'autres projets en cours de construction, donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Voilà, du bruit pour lui, du bruit pour eux, et très belle chemise en tout cas. La nuit, le chien et le couteau par la compagnie.